Bon. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, on va continuer. Allez. Je vais reprendre mon chameau et j'ai 4 points de plus. Je vais prédater un vol. Un peu de chasse. Un peu de guerrier. Parfaitement de l'aide. Il y en a un ennemi à qui c'est aussi fini. Parfaitement de l'ennemi au fond d'un. C'est un peu plus fort. Après, c'est stylé. Fleur de arc. C'est l'une des ralentis. C'est bon. Je vais prendre la queue, le chasseur, et c'est de surpuissance, surpuissance, surpuissance. À tout ce que tu fais. Il y a une année, 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 rien qu'un instant, je te le promets. Ces récoltes doivent être chargées pour partir avant la fin du jour. Cela représente bien plus qu'un instant, tu ne crois pas? Je sais bien, c'est le travail de deux hommes, mais mon fils est trop lent. Une chose à la fois. Que ton fils se repose. Je vais t'aider à couper ta récolte. Ton fils est trop jeune pour travailler au champ. Je le sais. Mais je n'ai plus de quoi payer des journaliers. Les collecteurs d'impôts me prennent tout mon grain et menacent de brûler ma maison. Merci, mon ami.
Je vais pouvoir payer les chiens de Sefetu. Au moins pour cette fois. Parle-moi de ces collecteurs d'impôts. Ils parcourent les routes autour de Saïs. Mais ils ne s'en éloignent jamais beaucoup. Sefetu est un maître cupide. Il les oblige à prendre aux gens tout ce qu'ils ont. Je vais voir si je peux les trouver. Et les convaincre de se montrer moins voraces. Toi, travaille ta ferme. Et élève ton fils. Oui, Ned. Maintenant qu'il peut se reposer, je pense qu'il va retrouver des forces. Que les dieux t'accompagnent. Oui, tu es le collecteur d'impôts. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Pour le nuit. Et je te dis. C'est Juliette. Ce vieux fou essayait de parler à Harkouf. Il faisait de drôles de bruits bizarres. Qui? Le vieux Goupa? Ah bon? Goupa, c'est son nom? Oui. Ne sois pas trop dur avec lui. Il a beaucoup souffert. C'est pas ce que je voulais faire. Ah! T'aurais pas dû venir ici! Ok, calme. Medjay, pardonne-moi, mais Nessamun, l'aide de Harkouf, est partie au sud avec une cargaison de bière. Il n'est jamais arrivé à Imu. Pourrais-tu le retrouver et t'assurer qu'il va bien? Je vais m'en occuper. Cette bière devait honorer Sekhmet. S'il l'a bu, il aura droit au fouet. Bon, ils sont pas très nombreux. Ces chacals vont continuer à s'attaquer aux braves gens de la région. Je dois m'occuper d'eux. Thank you.
Débarrasser de toi sera ma première bonne quoi. Allez, donne-moi ta peau. Voilà. Tu es Nessa Moon ? Est-ce que ça va ? Loué soit Happy, oui. Je t'écoute. J'apportais une cargaison à Imu quand ces chiens me sont tombés dessus. Et ? Bon, d'accord, je faisais une petite sieste. Mais ils ont bu ou cassé toutes les jarres. Ils menaçaient de me tuer pour obtenir plus de bière. Ramène les bœufs à Saïs. Tu vas devoir préparer une nouvelle livraison. Et toi, essaie de ne pas t'arrêter en chemin. Là-dedans. Allez, tu ne fais qu'empirer les choses. Mon imbécile de frère s'est barricadé à l'intérieur. À qui est-ce que tu parles? À l'un de ces rançonneurs, n'est-ce pas? Non, pauvre idiot. Il fuit les hommes de ses fétous. Mais s'enfouir la tête dans un buisson ne résoudra rien. Je ne suis pas une autruche. Ce sont des chevaux que j'entends. Ce sont eux. Va-t'en vite. Aide-le. S'il ne travaille pas, les percepteurs de ses fétous vont s'en prendre à lui. Je ne sais pas si je pourrais le convaincre, mais je vais garder un œil sur ses percepteurs. Eux, je vais les persuader de vous laisser tranquille. C'est mieux que ce qui est arrivé par là.
Voilà, Pierre, prends tes pipis dehors. Mieux vaut ne pas attirer l'attention ici. Je vais te faire voir. Mais oui, mais il reste pas sur ma chambre. Je vais te tuer. Comment?
As-tu déjà vu un travail aussi raffiné que celui? Construction du serpent de Sarapis. Sarapis. J'ai vu un travail aussi raffiné que celui d'Onuris. Quelle incroyable histoire. J'aimerais pouvoir m'offrir une de ces armes. Tu as déjà vu le serpent de Sarapis? C'est pas possible de lire avec une fille. Ah, le serpent de Sarapis. Tu connais son sort tragique? Pas entièrement. Ah, c'était un vrai chef-d'œuvre. Une hampe gainée de cuir durci à l'eau. Une lame forgée dans un métal céleste. J'aimerais beaucoup la voir. Impossible. Je l'ai faite pour un capitaine d'Apollodorus quand je vivais à Saïs. Les soldats de Sefetu l'ont tué. Et moi, je suis parti. Sefetu ? Oui, Sefetu le Brandon. Il fait régner la terreur sur Saïs. L'un de ses sbires a volé la lance qui porte ma marque. C'est une honte. Tu ne peux pas la lui reprendre ? Je ne sais comment l'atteindre. Il navigue sur le lac Maréotis à bord d'une trirème de Sefetu. Il mérite une leçon. Mais pas me mène dans toute l'Égypte. Si je tombe sur lui, je lui prendrai ta lance. Rien ne me ferait plus plaisir que d'apprendre sa mort. Et si tu réussis, le serpent de Sarapis sera à toi. Donc j'ai pas pu lire le message avec les deux. Non. Je sais pas si je vais aller prendre l'autre truc. Je sens une forte odeur de musc. Un tanneur habite près d'ici. Oh, honte à moi, Neb. Mon mari est le tanneur du coin. Il rapporte cette puanteur chez nous depuis son campement. Il est chez vous maintenant? À l'odeur? Oh oui, on pourrait le croire. Mais c'est encore pire quand il est là. Ne t'en fais pas, Nebet. Un travail nécessaire n'est pas toujours agréable. Ça, c'est vrai. Mon mari travaille très dur. Malheureusement, ça ne suffit pas à satisfaire à la demande. On dit que les Medjay n'ont pas leur pareil à la chasse. Si tu veux gagner un peu d'argent, n'hésite pas à aller le voir. Il sera ravi que tu lui viennes en aide. Je vais y réfléchir. Où peut-on le trouver? Il est parti à la chasse, au nord et à l'ouest de Saou. Il tannera des peaux pendant quelques jours. Si seulement il parvenait à se débarrasser de cette puanteur. J'arrive, je suis déjà un peu plus. Par Sarapis. Merci, voyageur. Je ne m'attendais pas à ce que les dieux aient la bonté de m'envoyer de l'aide. J'ai eu peur que cette bête veuille me dévorer, histoire de se venger de mon métier. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ta femme que j'ai vue à Saou m'a dit qu'un chasseur te serait utile. Ah ça, oui. J'ai trop de demandes et pas assez de peaux. Je suis prêt à te payer grassement pour les peaux dont j'ai besoin. Et bien sûr, pour les risques que tu prendras. Je t'écoute. Il me faut des oreilles de hyène, des œufs de crocodile et des crânes de vautours.
quoi te servent les crânes de vautour? Bien des prêtresses s'en servent pour agrémenter leur coiffure. Elles paient bien. Mais j'ai déjà tout. Alors, qu'est-ce que tu m'as ramené? Tout ce que tu as demandé. Ah oui, bien, bien. Et en très bon état. Ça fera l'affaire. Voilà pour toi. On te met une donne. Ouais, c'est tout. Vas-y, c'est tout pour la dame. Bon. Ouais, il va falloir que c'est tout ça. Je peux pas m'en mettre. Non, parce que c'est une vision. C'est pas de bateau, non, c'est pas. On va c'est lui qui a la main. Ils sont pas nombreux. Essaye de m'avoir là. Hein? Voilà.
c'est magnifique. C'est bien l'œuvre de ce maître forgeron de Sao. Le serpent de Sarapis est une arme digne des dieux. On peut voir un peu ce serpent. Il va falloir juste l'augmenter un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Il y a un petit peu de jour, ça fera plaisir. Voilà. Fais moins de bruit, s'il te plaît, ma tante. Tu risques d'affoler les hippopotames ou de faire revenir les bandits. Neb, toi qui es fort et qui semble marcher sans peur, peux-tu aider un pauvre paysan ? Un hippopotame a tué ton ami. Oui, ces animaux font des dégâts et tuent beaucoup de gens. Hier, nous avons été attaqués par des bandits. Ensuite, ils ont dérangé les hippopotames et ils les ont rabattus vers nos champs. Les dieux semblent avoir décidé de nous tourmenter. Tant que les hippopotames seront là, nous ne pourrons pas nous occuper des récoltes, et encore moins de nos morts. Je vais t'aider à ramasser les corps. C'est bien l'occasion d'utiliser la lance. Et c'est vrai que les hippopotames sont beaucoup de morts. Un hippopotame est plus dangereux qu'un crocodile. C'est ça. Non, ce n'est pas lui. J'aimerais t'aider, mais je ne suis pas de taille. Oh.
on y va. Allez, vous. Voilà. Le mec est prêt? Ce n'est pas lui. C'est le fils du frère de ma femme. Un idiot. C'est le dernier, je crois. Merci, Neb. Leurs âmes peuvent maintenant reposer en paix. Qui est ce Mekhetré que pleure ta tante? Notre protecteur. Fort et brave, courageux comme toi. Il chassait les animaux sauvages et les bandits qui nous attaquaient. J'imagine que plus personne ne nous défendra maintenant. Je crois que toute l'Égypte souffre du même malheur. Où sont installés ces bandits? Il y a une gorge. Je t'y emmènerai bien, mais comment dire, c'est très dangereux. Et il faut bien que quelqu'un s'occupe des morts. Bien sûr, je le trouverai seul. Ces bandits se font appeler les grands affamés. Que les dieux te protègent. Qu'est-ce que je vais devenir? Hors de mon chemin! Me verrai-je un jour, mon cher Mekhetré? Allons, mon ami. Rien ne dit qu'il a rejoint l'autre monde. Sans lui, personne ne m'aidera au chant. Personne ne me protégera. Personne ne chantera pour moi sous les étoiles. Je vais voir ce que je peux faire. Il y a rien ici. Là, on est. Et je suis déjà allé dans ce coin. Bon sang, mais d'où? Alerte! Alerte!
Tiens bon ! Hé, l'arme en main. D'accord ? Les mecs, ils m'ont pas vu. Il va avoir mal à la gorge. Le trésor. Prendu dans la grande l'ordre, nous avons laissé les pieds sur le quai nord, derrière l'arbre mort. Certains d'entre nous resteront à proximité de ce que quelqu'un des disciples de la Lyonne vient nous chercher. Tu viens me libérer ? Je vais t'emmener loin d'ici. Fais vite, ces bandits grouillent autant que les rats. Merci. Mais pourquoi m'as-tu sauvé ? Ta tante m'a dit ce qui t'était arrivé. Je libère les gens enfermés à tort. Et je ne peux ignorer le sort d'un protecteur. Tu es un Medjay ? Nous sommes de la même confrérie. Oui, désolé, je dois rentrer. Et vite, le chef des affamés, le gros Homer, a lancé un raid. Ah, tu es fort comme un lion. Tu peux m'aider à les arrêter ? Oh, c'est pas pire. Non, je sais qu'on est en train de taper dessus. Oh.
Donc c'est terminé là. Je crois que c'est terminé. Tiens. Et tiens. Là. Mais Kétré, je crois que c'est fini. Tu t'es battu comme un fauve. Tu m'as beaucoup appris, Medjay. Tu as fait de moi un meilleur protecteur. L'Égypte a besoin de gens comme toi. L'Égypte a besoin de gens comme nous. Je chanterai nos combats à ma tante en mémoire de cette journée. Je n'arrive pas à y croire. Les dieux nous ont protégés. Incroyable. Mekhetré nous a été rendu. Vous avez vu comme il a repoussé les bandits? Mekhetré est en vie et il a tué le gros Homer. Les dieux nous aiment. Ah, c'est bon. Je vais d'abord aller chez le forgeron pour augmenter ma lance. Je vais peut-être attendre d'avoir le niveau 20. Bienvenue. Bienvenue à Létopolis, le rêve du grand... Bienvenue. Bienvenue à Létopolis. Je n'oublie jamais un visage et le tien ne me dit rien. Je cherche Tark. Tu l'as trouvé, ton nouveau foyer. Le miracle du labeur des hommes. La grande œuvre a commencé. Non, ce n'est pas... Tu l'ignores encore, c'est tout. On offre une maison à chaque nouveau venu. Il suffit de la désensabler et d'aider aux travaux communs. Une nouvelle vie. Je ne suis pas venu ici pour vivre dans le sable. Tu devrais aller parler à l'un des nouveaux habitants. Va donc demander à Nei. Il te dira combien il est agréable de se libérer de son passé. Je n'abandonne pas mon passé comme un serpent fait sa mue. Une vie nouvelle vous attend dans la splendide ville de Létopolis. L'occasion de prendre un nouveau départ dans une région riche de promesses et d'aventures. Les sables cruels du désert ont envahi la ville. C'est le mec qui avait des dents en moi. C'est Juliet. Par les dieux, mais qu'est-ce que je vais faire? Paix à toi, mon ami. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis maudit par les dieux. Mon frère m'a pris ma ferme et ma femme à Imou. Et maintenant, j'ai perdu le peu qu'il me restait. Mon chariot a versé dans un fossé, loin de la ville. La nuit venue, j'ai entendu de terribles rugissements. Et je les ai abandonnés.
Mes pauvres bœufs, mes seuls biens, qu'est-ce que je vais devenir? Des rugissements. Il n'y a pas de fauves dans cette région. Je n'ai pas cherché à le savoir. C'est tout ce qu'il me restait de mon père. Khéops et Kiera. Et je les ai abandonnés avec tout ce que j'ai. Quand j'irai dans cette région, je verrai si je les trouve. Pour l'instant, occupe-toi de ta nouvelle maison. Merci. Ma maison est à droite de l'entrée du temple. Puisses-tu voler sur les ailes brillantes d'Horus ? J'ai une bestiole, là c'est ça. Une bestiole. Il y a un garde. Et c'est une gueule. Je prends mon cheval, c'est un peu simple. Je trouve le cheval plus facile à diriger que le... Voilà. La maîtresse de la peur. Saignons cet étranger pour la dame du massacre. Tu aurais dû profiter de tes talents et devenir eunuque. C'est une esquive, hein. Tiens, esquive ça. Ah, tu l'as raté. Heureusement que je suis venu. Pour René, il serait mort et vous auriez été mangé par les lions.
Bayek. Bayek, tu as trouvé Khéops et Kéra. J'en pleure des larmes de joie. Ton travail a bien avancé durant mon absence. J'ai trouvé quelque chose d'étrange dans ma maison. Ça attise ma curiosité, et pourtant, j'en suis terrifié. Tu veux le voir ? Montre-moi. En dégageant la pièce principale, j'ai trouvé des inscriptions inquiétantes sur le mur. Elles sont anciennes, je ne sais pas ce qu'elles signifient, mais elles me donnent la chair de poule. Ancienne, oui. Mais incomplète. Impossible à déchiffrer. Effacée par le temps et le sable. Tu crois que cette maison est maudite ? Je vais me renseigner en ville. D'accord. Mais que vais-je faire ? J'ose à peine dormir ici ? Tu ne risques rien. Tu devrais aller voir Ramesu. Il connaît tout le monde et il sait tout ce qui se passe en ville. Je n'en doute pas. Il est Ramesu. Right decision, get it. Ah, mais c'est Monsieur Dandor. Bienvenue à l'Étopolis, le rêve du grand. Toi, je sais ce que tu veux. Tu viens te chercher une maison. Mais non. Non, je... Tu pourrais la déblayer en un rien de temps. Assez. Je viens de chez Nei. Il m'a montré des inscriptions étranges. Sois sans inquiétude, mon ami. Ils sont trois à m'avoir dit la même chose. Elles sont trop vieilles pour avoir gardé le moindre sens. Je vais aller les voir. Fais ce que tu veux, mais tu perds ton temps. Bienvenue, Nebet. On trouve beaucoup d'œuvres perdues et de fragments de l'ancien monde. Peut-être pas chaque jour, mais assez souvent pour nous émerveiller. Clairement. Ouais. Qu'est-ce que je peux pour toi ? Ramesu dit que tu as trouvé d'étranges hiéroglyphes dans ta maison. Oui. Je dois dire qu'ils m'ont inquiété. Je crois que quelqu'un d'autre en a trouvé de semblables. Je peux les voir ? Bien sûr ! Va jeter un coup d'œil. Nick Ennis, c'est Jelliot. T'es dédouk à Nick Rayet. Le style est identique. Peut-être une autre partie du même message. Ça veut dire qu'il a remis son dico avec lui. Je peux te demander quelque chose ? Oui, quoi ? Nei a trouvé un étrange symbole chez lui, comme toi. Je peux y jeter un œil ? Naturellement. C'est le nouveau, hein ? Il serait mignon s'il n'avait pas toujours l'air prêt à pleurer. Dis-lui que j'ai demandé de ses nouvelles. Mon nom, c'est Nebefer. C'est Jelliot. Un autre morceau du message. Non, on va faire le dernier. Tu viens d'arriver ? Je suis de passage.
mais j'enquête sur un mystère. Tu as trouvé d'anciens hiéroglyphes chez toi ? Comme tout le monde ? Je ne m'en suis pas préoccupé. Pourquoi ? Ils veulent dire quelque chose ? Je l'ignore encore. Je peux les voir ? Bien sûr, oui. Et dis-moi si je dois m'inquiéter. Comment rendre dans ce jeu ? Une autre portion du message. Le message est complet. On dirait que c'est une vision prophétique. Message prophétique. Les pieds fermement plantés à l'Étopolis regardent à l'ouest vers les pyramides. Dans les dunes repose le temple d'un million d'années gardé par les lions de pierre. Où se trouve ce temple ? Moi, je vais en hauteur. Alors, à l'ouest, c'est vers le tour en ligne. Les pyramides sont là. Je ne sais pas les voir si on dit non. Une espèce de temps, tu vois, mais tu vas aller voir. Gardé par les liens de pierre. C'est ça? Ah. Raté. Tiens, douceur. Voilà, ça c'est cadeau. Qu'est-ce que les prêtres ont cherché à obtenir lors de leur dernière cérémonie, il y a si longtemps ? Oh putain ! Il faut que je panier les serpents. Voilà.
Une prière. Papyrus de pria à ses pieds. Ô dame des femmes à tête de lionne, fille de Ré, reine des deux royaumes, maîtresse de la maison de la balance, maître d'Apep et d'Amnès. Elle est inutile. Nous t'invoquons par tes noms et tous tes lieux et te font cette ville en cadeau. Tout que le désert sur elle et prends-la, enfuis-la. Et en retour, n'emploie pas ce redoutable pouvoir contre les pharaons et le reste de l'Égypte. Une ancienne préparation, sèche depuis longtemps. Ces hommes étaient des prêtres régisseurs. Ils ont été tués ? Ou ont-ils choisi la mort ? Dame du massacre. Alors cet endroit a été consacré à Sekhmet. Je croyais que Létopolis vénérait Horus. Létopolis a été sacrifié aux dieux par les anciens afin que le reste du cours du Nil soit accordé aux hommes. Ces prêtres ont invoqué la protection de celle devant qui tremble le mal. En absorbant ce breuvage, ils ont offert leur vie ainsi que leur ville à Sekhmet. À leurs yeux, le projet de Taharqa est un sacrilège. On va retourner parler à Nini. Je commence à m'habituer à ces symboles. Nébéfer est même venu partager un repas. Tu as trouvé quelque chose ? Oui, mais je ne crois pas que ça va te plaire. Ah, une malédiction ! Je le savais ! Non, pas exactement. Létopolis a été offerte à Sekhmet, afin de protéger le reste du Nil. Nous avons offensé la dame du massacre ? Alors ça explique les tempêtes ! Elle veut reprendre sa ville ! Nos dirigeants sont-ils fous ou aveugles ? Je vais partir d'ici. Nébéfer voudra peut-être me suivre. Mais, et toi ? Je ne suis que de passage. Tu as été bon pour moi, contrairement aux autres. Peut-être qu'un jour, nous aurons la chance de nous revoir. C'est Juliette. On va aller voir le plan aujourd'hui. On va aller voir le plan aujourd'hui. On va voir ce qu'il y a des clients pour le plan. Parle, l'ami. Dis-moi ce qu'il te faut. Ranebet a ranep. Bonjour, mon ami. Ouais. Très bien. Vendu. Très bien. Vendu. Oui. Très bien. Oui. Vendu.
Très bien. Vendu. Ouais. Très bien. J'ai deux points d'activité. Je peux le mettre sur ma carte. C'est toujours un plaisir. Non, mais ce n'est pas le cas. Alors. Je pense que ce sera la dernière. Parce que je suis quand même déjà au niveau 21. Et. La prochaine étape principale, c'est au niveau 18. Je regarde cette secondaire là, et après, on prend l'étape principale. Ce sera pour la prochaine vidéo. Arrête, laisse-moi t'aider avec ça. Quoi? Je ne suis pas malade. Je suis étonné de voir une femme dans ton état travailler si dur. La venue d'un enfant est une bénédiction. Oh, je ne suis pas une fleur fragile. Oh, tu as mal? Ah, c'est ma petite qui me rappelle qu'elle est là. Mes ouvriers sont un peu lents. Je dois sans cesse aller les surveiller. Permets-moi, Nevette. Alors, trouver les ouvriers et leur parler. Bon. Baba! Hipoui! Vous m'entendez? Baba! Hipoui! Je suis là! Tout va bien? Je suis blessé à la jambe. Je sais pas si c'est grave. Et Baba? Je sais pas. Je ne vois pas. Va chercher de l'aide! De grâce! Vite!
Que s'est-il passé? Le tunnel s'est effondré. Ipui et Baba sont coincés à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Tu es assez fort pour dégager le passage. Vois si tu peux les faire sortir. Je t'en prie, Neb. Ce sont mes frères. Reste ici. Je vais m'en occuper. Devoir dégager un passage. Hé, hey, tu es blessé? Ah, je me suis tordu la cheville. Mon frère Baba travaillait beaucoup plus loin. Le tunnel s'est écroulé. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Je vais déjà te sortir de là, et j'irai le chercher. Attention, il m'a semblé entendre des sifflements là-dedans. Right decision, Gareth. Ipui, je vais prendre le relais. Tu dois y retourner pour retrouver Baba. Dépêche-toi, il est peut-être blessé, ou pire. Occupe-toi de lui. Je vais chercher ton autre frère. Merci, Neb. Pardonne-moi de devoir tuer tes frères. Il n'y a pas d'autre solution. L'œil de Camille, votre merveilleuse et magnifique cité est engagée dans un combat en trois médieux, fleuve et désert, Horus et Sekhmet. Lorsque nos ancêtres sont tombés, elle a été dédiée au grand noir, le faucon dans l'œil droit et le soleil et l'œil gauche, la lune. Au fil des lunes et des années, la dame qui nous tient n'a cessé de s'approcher. Le prophète d'été en son humain n'a plus d'influence sur elle. Elle s'approche toujours davantage et le souffle de la lionne de la guerre apporte la chaleur des sables du désert au cœur de la ville. Les oracles disent qu'elle entend s'emparer de toute l'Égypte afin de l'engloutir, et que le seul moyen de l'en empêcher est de procéder à un grand sacrifice. Ses prestigisseurs ont dit aux marques d'abandonner la ville car cela la fait mal. L'histoire des anciens gardiens de ce lieu. L'épée n'est pas là. Je me demande si Mysis a triomphé dans la maison de Serket, ou s'il n'a pu honorer sa cause. Une histoire des gardiens de l'ancienne bibliothèque. En tant que serviteurs du dieu, nous portons témoignage du voyage de Mysis, fils de Sekhmet, afin d'affronter les envahisseurs venus du soleil. Nous avons béni l'épée de Pâques, l'avons placée dans la main de Mysis et l'avons envoyée de l'autre côté du fleuve pour aller nous lancer à la maison de Serket. Mysis doit affronter des armées de plus, qu'on appelle Arthasiasès, qui marche depuis la cité debout pour tout détruire et nous observer. Papyrus de l'apothéose. Nous avons vaincu la lionne divine, la puissante, dont le souffle a formé le désert, dont la langue est aussi rappeuse que le sable, dont les yeux brillent avec la chaleur du soleil, la plus féroce des chasseresses va engloutir ce lieu impie, cette ville où les hommes se sont déclarés plus grands que les dieux. Nous avons choisi la chute vers l'apothéose, tandis que nos ennemis tombent vers la disgrâce. La ville et tout ce qui s'y trouve seront recouverts de sable pour 100 ans. En échange, elle laissera prospérer le reste du monde sous le dieu du ciel. Malheur à qui cherchera à mettre au jour cette ville et à prendre ainsi la déesse au trésor. Tu es blessé? Non, j'ai réussi à me faufiler ici juste avant l'éboulement. J'ignorais l'existence de ce lieu. On creusait pour rejoindre le fleuve.
Cet endroit devait faire partie du vieux temple. Tu as besoin d'aide pour sortir d'ici ? Ça ira. Je vais retrouver mes frères et me reposer un peu. Quel est cet endroit ? Right position, Gerek. Chef Nito, le puits s'est en partie effondré, mais j'ai réussi à sauver tes hommes. Ma petite et moi avons de la chance que tu sois passé par ici au bon moment, Medjay. Que les dieux te bénissent mille fois pour tes efforts. Prends soin de toi, et que les dieux bénissent ta petite.